Bordeaux, Mérignac, vos copies et Colima, bravo. Bonsoir, on part en direct d'un vol Latsima de part de Bordeaux, dont on voit la tour à destination de Biarritz en passant par Arcachon, Dax, puis Biscarrosse avant, bien sûr. Il y a déjà du monde sur les pistes. Merci. On dirait qu'il y a quelqu'un là-bas. Il risque de me coincer un petit peu. J'ai pas encore pris contact avec la tour, mais ça ne va pas tarder. On va vérifier que tout va bien dans le cockpit. Le moteur est chaud. Ça fait il y a 10 minutes qu'il tourne. Ok, ok. Et que je vois mieux les instruments quand même, ça serait bien. C'est bon, il y a de la patate. On va pouvoir appeler. Et Colima, bravo Frédéric, le cheminement que je te donne est le cheminement qui est sur mon radar horoscope et qui correspond au plan SIA des aéroports. Alors c'est Golf Alpha. Bimoteur, bravo Mike. Bord de tour de Fox, bravo Mike, bonsoir. Bord de tour, Fox Mike, bonsoir monsieur, vos intentions. Le Fox Golf Alpha, bravo Mike, un B60 au parking Lima, une personne à bord, à destination de Biarritz, demande roulage. Je n'ai pas d'informations, Baptiste, mais je sais que la 29 est en service. Bravo Mike, excusez-moi. Transpondé 70, roulé au point d'attente Foxtrot de la piste 29, QNH 1016 est rappelé prêt au départ. Le transpondeur est mal passé, j'ai entendu 70, mais pas la suite. Je vous envoie ça par texte. Merci. Transpondez 70-02, roulez au point d'attente Foxtrot de la piste 29, QNH 10-16, et rappelez prêt au départ. J'ai bien compris, 70-02 au transpondeur, je roule point d'attente Foxtrot et je rappelle le prix au départ. Fox, bravo Mike. Bordeaux, Mérignac et Colima, bravo, prêt pour décollage. Et Colima, bravo, depuis Fox Union, piste 29, autorisée au décollage, vent 310 degrés, ligne. Autorisation de décollage. Bordeaux tour de Fox, bravo Mike. Un petit problème technique de la minute à résoudre. Je vous rappelle dès que je suis effectivement prêt au départ. Fox, bravo Mike, bien reçu. Et Colima, bravo, contactez Bordeaux proche sur 119.27. Bon vol, monsieur. Bonne soirée. Bordeaux tour Fox Golf Alpha, bravo Mike. Problème résolu, prêt au roulage à destination de Foxtrot. Point d'attente Foxtrot. Bravo Mike, bonne soirée.
Foxbravo Mike, c'est exact. Prêt au départ. Hein. Fox Bravo Mike, je roule Fox Trot et je rappelle pré-départ à Fox. Bravo Maniac, problème technique, je sors des réseaux. Merci, bonsoir. Bon. Bon, il vaut mieux faire qu'une seule chose à la fois, c'est mieux pour rouler. Donc là on va prendre à gauche Sierra 3. Et on va prendre toute l'allée Sierra là pour aller au bout de piste 29, tout au fond là-bas. Bien. Alors, on va mettre la pompe. Un cran de volet. On a de la puissance. On est ok. Il est 25. Bord de tour de Fox Golf Alpha Bravo Mike, point d'attente Foxtrot, piste 29 dur, je suis prêt. Foxtrot Bravo Mike, transité via la route Sierra Whiskey 3, 500 pieds QNH, et rappelé en sortie de zone verticale Sierra Whiskey. Admirez-vous piste 29, autorisé au décollage. Vent 310 degrés, 7 nœuds. Fox Bravo Mike, donc autorisé décollage en 29.
pouvez me réitérer le... Donc j'ai compris 1500 pieds également, mais pour la partie sortie, je n'ai pas bien capté. Transiter via la route Sierra Vista 3 à 1500 pieds PNH et rappeler en sortie de zone vertical point Sierra Vista. Reçu pour Sierra Whiskey 3, rappelé en sortie de zone Sierra Whiskey. Fox, bravo Mike. Oui, borne autour de Fox, bravo Mike. J'ai un petit souci, je cherche le trajectoire exact. J'ai repéré Sierra Whiskey, mais je ne vois pas bien pour Sierra Whiskey 3. Fox, bravo Mike. Dans ce cas, rappelez vertical Sierra Whiskey pour quitter. C'est reçu, merci. Je rappelle Sierra Whiskey pour quitter. 1500 pieds, Fox. Bravo Mike. Sierra Whiskey Mike, opération effectuée, donc je vais pénétrer sur la 29, durée découlée. Fox Bravo Mike, veuillez répéter, je n'ai pas compris. Fox Bravo Mike, j'ai déterminé le trajet qui m'avait fixé, donc je pénètre la piste pour décollage. Fox Bravo Mike, monsieur. Bon, voilà, ça c'est le truc des grandes plateformes. Faut bien connaître, j'avais étudié les choses, mais je ne savais pas quelle serait la piste à déterminer, donc c'était moins évident. Donc on a dit une montée initiale à 1500 pieds et une sortie donc par la gauche. Pleine puissance, il est 30, on est parti. Pas d'alarme, le badin il est actif. Oui, oui.
Fox, Bravo Mike, votre point de sortie est Sierra Whiskey, et non pas Sierra sur lequel vous vous dirigez actuellement. Fox, Bravo Mike, effectivement, là j'ai confondu un instant, je me redirige vers Sierra Whiskey. Veuillez garder Cyrus, Fox Bravo Mike, veuillez garder une altitude de 1500 pieds. Corrigé pour Fox Bravo Mike, 1500 pieds. Bravo Mike, vous avez passé la verticale de Sierra Whiskey. Veuillez contacter Bordeaux Approche sur 119.27. Bon vol et bonne soirée, monsieur. Je contacte donc 119.27. Merci, bonne fin de journée également à vous. Au revoir. Bordeaux Approche de Fox Golf Alpha, Bravo Mike, bonjour. Bravo Mike, bonjour, identifié radar. Donc le Fox Golf Alpha, Bravo Mike, en provenance donc de Bordeaux à destination de Biarritz, en passant par Arcachon, là je me dirige actuellement vers la baie, 1500 pieds, pour monter 2000 pieds. Fox, bravo Mike. Eh bien, Fox, bravo Mike, montée 2000 pieds, QNH 10-17. Autorisé montée 2000 pieds, QNH 10-17, Fox, bravo Mike. Bon, ben avec cette machine, ça va être très rapide. Force Bravo Mike, contactez Bordeaux Contrôle, 125 décimales unité, en bas.
C'est reçu, Bordeaux contrôle, 125 décimales d'unité. Au revoir, monsieur. Bordeaux contrôle, le Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonjour. Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonsoir monsieur, identifié, poursuivez selon votre plan de vol, je vous rappelle. C'est bien reçu, Fox Bravo Mike. Fox Charlie Echo, passé avec le Best Tour, 118 décimales 70, bon atterrissage monsieur. On passe avec le Biarritz Tour 118 décimal 700. Merci du service, à très bientôt. Au revoir, monsieur. Au revoir, Charlie. Donc prochaine route 1951. Donc là on est au-dessus de la baie d'Arcachon. Donc la ville qui est juste à gauche. Allez, on va prendre un virage large et tranquille. Donc à gauche, on voit bien la dune du Pila, qui va être notre point tournant. Arcachon. Donc quelque part à gauche là-bas, je crois distinguer où, on n'est pas encore dessus. Et bientôt, à dire au bout d'elle, on aura tête de bûche. LFCH. Bon, si je reste un peu plus au large, ça permettrait de mieux voir la dune. Et 2000 pieds, ça serait encore mieux. Donc la dune, là on arrive sur le point suivant. Et quelque part, pas loin en bout d'elle, mais là je ne peux pas piloter, on ne peut pas voir. En bout d'elle, quelque part là-bas, il y a l'aérodrome. Donc je crois que...
aérodrome est à gauche derrière. Ok, 1-6-3. En fait, il faut passer au sud de l'étang pour pas les taper dans la zone de Caso. Donc l'aérodrome quelque part derrière à gauche là. Nœuds en croisière. Donc on voit le premier étang à gauche et le deuxième étang. Donc ça c'est Caso Sanguine, d'après ce que me dit la carte. Il m'a l'air d'être bien stable à 1900 pieds là. Donc légèrement. Donc quelque part à gauche, là on voit le papy de la base aérienne de Caso. C'est ce que je disais, il monte légèrement. Et donc devant nous, on a Biscarros. Alors pour éviter Biscarros, on va aller passer vraiment au-dessus du lac. Quoique que si on part au nord de la ville. Non, au-dessus du lac, ce sera mieux. On passe à la verticale de l'hydrobase, de l'hydrodrome. Oh, la verticale. Bon, et là on voit notre aérodrome. Route suivante, 179 et 48. 49. Attention pour la... Charlie X-ray for 4850, good evening, identify, climb flight level 380, and proceed direct to par. Climb 380 direct to par, Charlie X-ray for 4850.
Voilà, l'établi sur la bonne route. Et là, on en a pour grosse dizaine de minutes, 10-12 minutes, pour atteindre Dax. Enfin, pas tout à fait Dax. Le nord-ouest de Dax. Voilà, 180, ah ben moins que ça même. 38 nautiques. 38 divisé par 3, ça fait 13 minutes. À peine 13 minutes. Ouais, bon, c'est ce que je disais avant. Il est 51. On peut même mettre départ à 50 puisque j'ai pris un peu plus au sud. Donc on va arriver vers 02. Alors à droite, Lac Aurélan, Aurélan. Pas facile, c'est écrit en petit. Bon, l'Aquitaine c'est plat, hein. C'est rudement plat. Bon, alors là, le simu il tourne à 39 images par seconde. C'est excellent. Alors, on a du 15 nœuds de droite à peu près, hein, ou à la légèrement arrière-droit. On vient de passer à côté d'un aérodrome. CZ. Donc je vais compenser un petit peu, mais mettre 5 degrés. Donc là je rejoins la route. Donc il y a un vent d'ouest, effectivement, il est tout ce qui est plus droit. Vent d'ouest à 12 nœuds. Bon, alors ça fait 3-4 degrés max. Hop là, on reprend la route. Qui est donc 179-3. Point de repère à l'horizon, il n'y en a pas. L'altitude, c'est pas ça qui est ça.
niveau du ciel, ça a l'air d'être plus dégagé de ce côté-ci. On se fait un peu chahuter quand même. Hein. Alors nous avons India Lima, Rond des Landes, Rion des Landes, quelque part à gauche. Pas bien loin, au bout d'elle certainement, mais. Fox Golf Alpha, bravo Mike. Vous prévoyez une intégration de la zone de Biarritz par quel point, monsieur? Le Fox Bravo Mike, donc une arrivée par par Dax et ensuite par l'Est, donc Echo puis Sierra pour Biarritz. Bien reçu pour Fox Golf Alpha Bravo Mike. Bon, donc on a un patelin sur les avant-bras là. Pas de position numéro 2 définie pour celui-ci, donc on va attendre. 1700 pieds, ça me paraît être bien avec le nuage qui est au-dessus de la tête là. Route au sud. Donc l'axe c'est quelque part par là-bas, il est moins... Ah non, il est moins 2. On pourrait y arriver d'ici 3 minutes, 4 minutes peut-être. Bon, là, j'ai pas étudié. On va voir ce que ça fait là. Alors, sur l'avant gauche, a priori, ça serait Dax. Alors, si c'est ça, Saint-Paul et Dax. Et derrière, Dax. Alors. Éviter de survoler la ville, bien entendu. Donc moi je vais passer au nord-ouest, il y a un point novembre.
puisqu'il y a un aéroport ou un aérodrome. Ah, c'est même une base militaire. Route suivante, 201, sur 12 nautiques, en 4 minutes. Je ne vais pas me forcer à trop descendre quand même, non ? Bon, là par contre la densité bâtiment elle est pas terrible. Ok, je prends la route 201, on est au-dessus de Novembre. Donc 201. Moins les 3 degrés. Et il est 02. Donc ça fera 06. Biarritz. Voilà, la radio est prête. Bon, 1500 pieds, c'est bien pour ce qu'il semble y avoir là-haut. Donc on va croiser un fleuve, en fait une intersection de deux fleuves en fait. Ce sera le point Bravo Golf. Donc il est complètement au sud de Dax. On vient de passer. Ensuite on se dirigera vers Echo de Biarritz. Biarritz qui est au fond à droite là-bas. A priori, les embranchements sont quelque part devant, là je dirais, mais... Voilà, l'embouchure elle est plutôt par là, enfin l'embouchure. L'intersection là, je la vois, elle est là. Route suivante, 221. Il sera, non, ouais, il sera 06.
Ok. De 121 210, 220 pour 6 nautiques, soit 2 minutes. Bordeaux contrôle de Fox Golf Alpha Bravo Mike. Fox Golf Alpha Mike. Fox Bravo Mike, environ 2 minutes du point écho de Biarritz pour passer en fréquence avec eux. Fox Golf Alpha Bravo Mike, passé avec Biarritz Tour, 118 décimales 700. Biarritz, 118 décimales 700. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Biarritz Tour de Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonjour. Fox Golf Alpha Bravo Mike, bonsoir, identifié radar. Poursuivez votre route, donc ce sera intégration longue finale. Numéro 1, autorisé atterrissage, piste 27, les vents 320 degrés pour 10 nœuds, et le plafond est à 2700 pieds. Reçu numéro 1 en longue finale sur la 27 Fox Bravo Mike. Bon, actuellement je suis sur Echo quasiment. Je vais poursuivre donc en direction de Sierra Echo jusqu'à intercepter l'axe 27 à ce moment-là. Reçu, donc vous me rappellerez sur Vertical Sierra Echo. Et donc après, ce sera une intégration en base. Reçu, Fox Bravo Mike, je rappelle Sierra Echo dans environ 4 minutes. Bonne information, Dominique est arrivé sur le parking. Reçu, merci. Il est sur la fréquence, hein. Il peut travailler s'il veut. Salut. Bonsoir Pascal. Ça va Dominique? Ça peut aller, ouais. T'as réussi à voler là? Parce que je voyais quand même pas mal de nuages. D'après ce que me disait Philippe, t'étais dans le sud là, du côté de des Pyrénées, non? J'ai volé à 2500 pieds et ça allait sans problème. Il n'a que quand je suis revenu sur Biarritz, là j'ai dû descendre à 2000 pieds parce que j'étais juste au niveau de la couche. Autrement, ça allait. Non, la météo était bonne. D'accord, ok, parce que là je suis à 1300. J'ai l'impression que les nuages sont pas bien au-dessus. Je vais monter un petit peu pour voir. 1300, ça fait un peu bas en fait. Tu pourras contrôler parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné des idées de faire des vidéos, alors j'ai fait des vidéos. Tu disais que tu as fait une vidéo, c'est ça? Ouais, donc tu pourras voir la météo. D'accord, ok, nickel, on pourra comparer effectivement. Ouais, non, c'est moi qui suis pessimiste, là je les voyais plus bas, mais en fait ils sont assez hauts. Ah, il y a une trouée. Biarritz, on est au parking de profiter. Alors, Wine 320, 19, bon, à faire du... Ah ben oui, 2000 pieds, ça passe bien. Biarritz, Fort Charlie Echo pour quitter la fréquence. Fox Novembre, Alpha Charlie Echo, merci de venir sur Biarritz, passez une excellente soirée, vous pouvez quitter la fréquence, à très bientôt.
Philippe, la fréquence, merci du contrôle, Philippe, il y a très bien. Non, mais je reste encore un petit peu. Biarritz Sourd de Fox, bravo Mike. Je viens de passer la verticale de Sierra Echo. Je prends la route vers la tour à 2000 pieds à peu près. Fox, bravo Mike, 2200 pieds. Fox, Golf Alpha, bravo Mike. Reçu, donc intégration en base approuvée. Vous rappelez, finale piste 27 et vous êtes numéro 1. Intégration en base approuvée, je rappelle le final 27, je suis numéro 1, Fox, bravo Mike. Bon, et on va commencer à ralentir parce que sinon je sens que ça va être la bérésina. Et à partir de là, je grimpe au nord, sinon la base elle va me passer sous le pif. C'est n'importe quoi là, n'importe quoi. Donc là pour le jeu, on va chercher l'intégration sans connaître le terrain et improviser. Ah ok, vu. Fox, Biarritz Sourd de Fox, bravo Mike. Visuel sur la piste, je passe en base, en finale, en longue finale sur la 27. J'ai un peu overshooté, je me remets dans l'axe pour un complet sur la 27. Fox, Golf, bravo Mike, donc j'ai complet. Piste 27, les vents 320 degrés pour Dino. Autorisé pour un complet sur la 27, Fox, bravo Mike. Donc on a le train, les trois vertes, un cran de volet, ouais c'est ça. On cherche l'axe, on est en dessous, on n'est pas bon, 120 nœuds. Ok, on rétablit. Deuxième point de volet, on est dans l'axe.
110 nœuds. On est un peu haut sur le plan, je compense. 320 degrés, le vent vient de la droite. Voilà. Établi en finale, je suis sur le plan. Je fais attention de ne pas descendre en dessous des 100 nœuds. Il n'y a plus de volet à mettre. Sans nœuds, c'est bien. On réduit gentiment. Attention à la longueur de piste, à la largeur de piste. Ok. On maîtrise la vitesse. Biarritz Tour Fox, bravo Mike. Posez vitesse contrôlée, roulage. Fox Golf Alpha Bravo Mike, reçu, vous sortirez la prochaine à droite. Fox Bravo Mike, reçu, je sors à la prochaine sur la droite. Bon, il fait quoi là? Rien, c'est bon. Bon, elle est où cette ligne là? Ah. Ok, on s'arrête. On rentre les volets. J'ai coupé la pompe. On repasse en VFR. C'est-à-dire 7000 en France. La Biarritz Tour de Fox, bravo Mike, 27 dégagé, demande au roulage au parking aviation générale. Fox, bravo Mike, reçu, donc roulez parking de l'air Alpha sur votre gauche et à droite. Et pour cette convenance, il y a un P28 qui est toujours connecté sur le tarif. C'est reçu, direction R Alpha à ma gauche et puis à droite, Fox Bravo Mike, visuel sur le PA28. Ça, on fait des lignes jaunes là. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord. Tiens, bravo Québec, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, alors on reste concentré, on a mis les freins.